Bonjour les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver avec vous. Je suis vraiment heureux de partager ce temps particulier avec les jeunes, les enfants, les adultes également. Et j'aimerais attirer votre attention sur un élément fondamental. J'ai eu l'occasion de voir des jeunes s'énerver contre leurs parents. Et ces jeunes de dire, deux points, ouvrez les guillemets, « Ouais, mais de toute manière, mes parents ne comprennent rien à la vie !» Ok. Pensez-vous tout savoir, les jeunes ? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Proverbes, chapitre 4, verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Je vous faisais part tout à l'heure d'une anecdote, voilà, que j'ai vécue. Parfois, c'est vrai, les enfants, les jeunes, ont des comportements curieux. « Ouais, mes parents ne comprennent rien à la vie !» Ok, la question pour toi, jeune qui m'écoute, pour toi, enfant qui m'écoute, penses-tu tout savoir ? Alors, automatiquement, tu me diras « Ben non, je sais pas tout, je suis encore jeune, j'ai encore plein de choses à apprendre. » Et tu as parfaitement raison. J'aimerais même te dire que même les adultes ne connaissent pas tout et ils ont aussi des choses à apprendre. Néanmoins, le texte que nous avons abordé ici t'invite, toi, m'invite à moi également, à pouvoir écouter l'instruction d'un père, d'une mère également. Pourquoi ? D'une manière générale, les parents ont une longueur d'avance sur toi. Les parents ont une longueur d'avance sur nous parce qu'ils ont de l'expérience. Ils ont l'expérience de la vie. Et il est sage pour toi, pour moi, même si nous pensons qu'ils ne connaissent rien, hein, et parce qu'en général, parce qu'on maîtrise mieux l'ordinateur qu'eux, et on se dit « Ouais, mais moi, je sais maîtriser mon Macintosh ou mon PC ou mon ceci ou mon cela. Hein, je sais maîtriser, et puis toi, tu sais même pas écrire un SMS. » D'accord. Penses-tu que la sagesse vient de tes facultés à maîtriser un appareil électronique ? Néanmoins, ce que je t'invite à faire, c'est à pouvoir prendre le temps également, à pouvoir t'asseoir avec tes parents, ton père ou ta mère. Alors quand je dis ça, parfois tu as également qu'un unique parent, ton papa ou encore ta maman. Mais prends le temps de t'asseoir, tu es jeune, prends le temps pour ta maman et pose-lui la question, avec ton père, pose-lui la question de savoir qu'est-ce que tu penses de ça et de ça. Ok, et discute, échange. Et parce qu'ils ont de l'expérience, ils te permettront de progresser également et finalement de pouvoir devenir un jeune, non pas qui connaît tout, mais qui avance pas à pas dans la vie. Cette invitation donc de Proverbe est pertinente encore aujourd'hui. Écoutez, mes fils, écoutez, mes filles, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Voilà une perspective que voilà, nous jeunes, vous jeunes, trois enfants également, devraient apprendre à avoir une approche par rapport aux parents. C'est vrai, ils peuvent voilà, faire des erreurs, mais n'hésite pas à le leur dire humblement. « Maman, je pense que c'est plutôt comme ça. Papa, je pense que c'est plutôt comme ça. » Et eux, sagement, ils vont dire « Tu penses que c'est comme ça ? Mais parce que j'ai plus d'expérience, je sais jusqu'où ça ira. » Écoutons simplement la voix des plus instruits que nous. J'espère en tout cas que cette pensée du jour vous a permis de prendre conscience que nous sommes enfants, que nous vivons une vie d'enfant, nous sommes jeunes, vous êtes jeunes et que vous devez vivre une vie de jeune, mais surtout que vous avez beaucoup de choses à apprendre. N'hésite pas à partager cette pensée du jour avec tes amis pour avoir une réflexion en la matière. Dites-moi également si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que vos parents, enfin, vous en savez beaucoup plus qu'eux, n'hésitez pas. Nous sommes hyper ouverts. Je vous donne en tout cas rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.